Coucou tout le monde. Alors, je viens faire le tirage France pour la première semaine d'avril, d'accord? Alors, c'est pas sûr que ça arrive dans la première semaine d'avril, mais ça veut dire que c'est en cours, d'accord? Voilà. Alors, on nous parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, vous voyez? Je vous le disais, ça ne veut pas dire que ça va arriver cette semaine, mais en tout cas, il y a des changements qui sont en cours. D'accord? C'est à nous aussi à choisir ce qu'on veut. Et ici, on a la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord? Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. Voilà. C'est quelque chose ici de bien. Mais voilà, encore une fois, ça va dépendre de notre choix. Hein? Voilà. Donc de notre choix d'agir, de notre choix de croire ou de ne pas croire. Voilà. Il y en a qui ont le cerveau lent, alors on ne peut pas tout leur faire comprendre. Hein? Voilà. Et il y en a hein, qui sont têtus comme une mule et qui croient avoir raison. Voilà. Et qui ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Alors, qu'a-t-on ici? Un jugement. Regardez. Un jugement. D'accord? Donc, c'est le moi supérieur. Hein. Ça peut être aussi les vérités au fond de nous. Hein, d'accord? Voilà. Ne pas se juger. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Le moi supérieur, c'est. Ah ben, en plus, regardez. J'ai la vérité. D'accord? Donc, voir la vérité hein, qui est. Voilà. Hein, qui est devant nos yeux. Hein, voilà. Et ici, on a le corps physique. Donc, on vous dit que pour vous ressourcer, voilà, il faut vraiment aller dans la terre. Hein. Bon, c'est le moment de planter les fleurs, les légumes et tout. Hein. Il faut, voilà, y aller. Même si vous n'avez pas de jardin, parce que vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas de jardin. Eh bien, ce n'est pas grave. Dans des pots de fleurs ou des jardinières, hein, des légumes, ça peut pousser aussi. Voilà. OK? Je suis fatiguée de vous dire, depuis 3 ans que je suis ici, tout problème a une solution. D'accord? Voilà. Alors, faites des recherches sur Internet. Alors, s'il vous plaît, pour la première semaine d'avril et pour la France, s'il vous plaît, pour la France. Alors, on a l'innocence et le cœur brisé. Donc, moi, ici, je dis qu'il y en a qui n'ont pas encore tout compris. Hein, voilà, l'innocence, hein, d'accord? Et qui vont avoir du chagrin hein, cette semaine, d'accord? Qui vont. Ouais. Vous voyez, on a le oui, hein. Bon, alors, s'il vous plaît, pour la première semaine d'avril pour la France, Yoli, s'il vous plaît, un cadeau. Bon, un cadeau positif. À côté, on a la carte oui, hein, d'accord? Mais les innocents ne comprendront pas. Ceux qui ne veulent pas croire, hein, ceux qui ne veulent pas écouter, ne comprendront pas et auront un cœur brisé. Voilà. Ici, on vous parle de loisirs. Donc, faites des activités, hein, d'accord? Voilà. Alors, ici, on a quoi? On a quoi? On a quoi? On a quoi? Sur les engagements, voilà, sur les engagements, on a l'abondance et l'argent. D'accord? L'amélioration financière. Bien que les finances, hein, ne fait pas tout. D'accord? C'est vrai que sans argent, on est dans la merde, mais c'est pas parce qu'on est hyper riche qu'on est plus heureux. Hein, d'accord? Il nous manque toujours quelque chose. Hein? Voilà. Moi, je sais qu'il y a des riches qui n'ont pas la santé, des riches qui n'ont pas leurs enfants près d'eux et tout ça. D'accord? Bon, alors, voilà. Regardez. Ben, justement, je viens de faire le tirage des Sagittaires et j'ai eu ces deux cartes-là aussi. La femme et le phénix, hein, d'accord? Donc, les humains hein, qui peuvent, bon, peut-être les femmes, hein, voilà, qui vont pouvoir renaître un peu, regardez, parce qu'elles vont recevoir un message, ok? Voilà. Mais il faut tenir votre engagement, d'accord? Ne changez pas d'avis comme vous changez de culotte, hein, ou comme vous changez de chemise. Restez sur vos positions, c'est très important. On a l'attente. Et on a le combat, vous voyez. Bon, malheureusement, hein, rien n'est simple, d'accord? Il faut bah, ouais, se battre hein, pour avoir ce que l'on veut, d'accord? C'est long, hein, voilà, il a fallu attendre.
Mais ça va venir, hein. On voit qu'il y a un cadeau, on voit qu'il y a de l'abondance, hein, tout ça, donc il n'y a pas de raison. Alors, s'il vous plaît, pour la première semaine d'avril en France, on a une issue, vous voyez? Une issue par rapport à cette bataille, hein. On a la santé, une issue par rapport, voilà. Problème de santé, je prends que celle qui se retourne, parce que celle qui était seule, les souhaits et la force. Donc, si vous avez des souhaits, il faut vraiment rester fort, hein, d'accord? Il faut continuer la bagarre, hein, parce que cette bagarre va vous ouvrir une porte, d'accord? En tout cas, va vous mener vers le bon chemin. Alors, on me dit encore d'en tirer 2, 3, donc on va voir ce qui tombe. Alors, pour la première semaine d'avril en France, et c'est la fin, regardez, c'est la fin, d'accord? Donc ici, attention, hein, on pourrait dire que il y en a qui vont céder. Hein, ok? Bon, bref, on verra bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, hop, comme avec le tirage monde, on va prendre quelques cartes du tarot égyptien. Alors, s'il vous plaît, pour la première semaine d'avril, pour la France. S'il vous plaît, première semaine d'avril, pour la France. Alors. Excusez-moi, ça crie, hein, mais ça joue, ça, voilà. On a les astres. Joie, clarté, divulgation, protection. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir des vérités qui vont être un peu difficiles, hein, voilà, pour certains, parce que ici, j'ai bien la reine d'épée, hein, perte, tristesse et pauvreté. Il y a des divulgations qui vont se faire, qui vont mener certains à leur perte. Certains qui vont être tristes hein, parce que ben ils n'ont pas voulu écouter hein, depuis X temps, voilà. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, on est protégé. Quoi qu'il arrive, c'est pour notre bonheur. Ici, on a le cavalier de bâton. Désaccord, rupture, progrès réduit à néant et des querelles. Bon. Alors, c'est quoi ces disputes, ces désaccords? Il y a les oiseaux et les poissons. Certitude, fondement, confiance, concours. Il faut rester confiant, hein, vous voyez vraiment, on nous le dit, hein. On a ici le 3 de bâton. Consolation, récompense, problème résolu sur les divulgations, hein, vous avez vu? Voilà. On a la prudence, intuition, prévision, prudence, sagesse. Donc on nous dit de faire attention, hein, de ne pas avoir trop confiance non plus tout de suite, hein. L'as de denier, position sociale, force et pouvoir. D'accord? Donc, il faut savoir qu'il faut rester fort. Il faut savoir que nous aussi, on a un pouvoir, pas comme le leur. Eux, c'est le pouvoir, mais nous, on a des capacités. D'accord? Voilà. Concernant notre position sociale. Donc là, je pense vraiment qu'on parle des retraites ou voilà. On a la reine de bâton. Bonté, douceur, bonne. Attention, donc une femme qui a des bonnes intentions, hein, voilà, qui a peut-être aussi un pouvoir, hein, voilà, et qui est fort, voilà. Ici, on a quoi? Le 9 d'épée. Dévotion, célibat, vous voyez, anxiété. Ces gens ici, ils ont du mouron à se faire, hein, ok? Voilà. Alors ici, on a quoi? 7 de bâton, indécision, doute, tranquillité et inaction. Même si on nous dit qu'on arrêterait toute cette supercherie de retraite et tout ça, vous avez vu qu'on ne peut pas leur faire confiance, hein. Ils passent tout en force et en plus, vous voyez maintenant, en plus de l'inflation EDF, de la nourriture et tout, maintenant on veut nous infliger des punitions encore sur l'eau, hein. Bon, faut arrêter, hein. Ici, on a l'as d'épée, grossesse, bonne récolte, obstacle surmonté. Donc, vous voyez, on va vraiment y arriver, hein. Et on a toujours cette carte de justice, d'accord? Justice, morale, paix, prudence. On ne peut pas faire confiance à la justice telle qu'on la connaît, mais moi je vous dis que c'est autre chose. Ok? Il y a le chaos, vous voyez? Il y a trop de confusion, donc il y a le chaos pour la France première semaine. Voilà, ici on a la mort, la ruine, la destruction, la léthargie et l'apathie. D'accord? Il y a une fin à hein, tout ça, hein, vous le voyez bien, hein.
Le devin, anxiété, difficulté, malaise physique et fatigue. Moi, je vois ici qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets. Elle n'est pas à sa place. D'accord? Voilà. Et on va nous dire, pour le faire partir, qu'il est malade. D'accord? Moi, je vois ici un vieux monsieur. On a l'ermite, fanatisme, calomnie, solitude et tromperie. Alors attention ici, moi ce que je peux vous dire, c'est que je vois un vieux monsieur, mais avec l'ermite ici, quelqu'un de seul, et il est seul parce que en fait, il nous trompe, d'accord? C'est pas le vrai. Ah, je vais recommencer, hein, ouais, c'est pas le vrai. Voilà. C'est un monsieur qui est remplacé par un monsieur. Voilà. Ici, on a le 6 de coupe, le futur, le nouvel horizon, la prévoyance. La reine de coupe, sagesse, vertu, fascination et bonne amie. Et s'il vous plaît, première semaine d'avril, erreur, confusion, indiscrétion, désordre. Il y en a beaucoup, hein, je vous dis, qui vont faire des erreurs, hein, d'accord? Et vous voyez, c'est le chaos parce que rien n'est dans l'ordre ici, d'accord? Rien n'est normal, rien n'est correct, plus personne n'est la vraie personne, et c'est compliqué, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Foyer, sécurité, héritage, première semaine d'avril. Le ciel, malchance, vol, étourdissement, fugacité. Et on a le 10 d'épée, avantage, richesse, succès, pouvoir. Et on a le roi d'épée, autorité, pouvoir, un professionnel. Donc moi, ça pour moi, c'est l'armée. Hein, voilà. Et on a la force. Dépotisme, manque de confiance envers les puissants et des difficultés à prévoir pour eux, d'accord? Pour les puissants, ils ont des difficultés à prévoir. Et ici, vous voyez, on a le 4 de bâton, succès, bonheur, progrès et beaux enfants. On avance, d'accord? On avance. Alors, on avance. N'oubliez pas, hein, regardez, voilà. C'est la fin. Et moi, franchement, on me dit ici la fin pour un vieux monsieur. D'accord? Un vieux monsieur qui est assez seul. Voilà, qui est assez seul. Qui trompe son entourage. Hein, voilà. Quelqu'un qui a un pouvoir aussi. Hein, d'accord? Ah, quelqu'un qui a un pouvoir. Hein, d'accord? Mais voilà, hein, il y a l'erreur, la confusion, vous voyez, on a la tromperie, ce n'est pas ce monsieur-là. Moi, on me dit que c'est un monsieur qui est déjà parti, mais qu'on va vous faire croire seulement à son décès maintenant. Bon, attention, je ne parle pas de Pinocchio, je parle bien, je précise, mes guides me disent de vous le préciser. On me parle d'un vieux monsieur, d'accord? Ici, on voit. Issue santé. D'accord? La fin. Ok? Je dis ça, je ne dis rien. Ça rejoint un peu le tirage monde que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, parce que moi, tout à l'heure, on m'a parlé de père, de prêtre. Alors, ici, on a un mariage, union, Pécouse. D'accord? Voilà. Rester unis contre ça, hein, surtout, c'est important. Vous avez vu les décès qu'il y a eu, les paralysies, les ceci, les cela, hein, d'accord? On vous dit, vous voyez, de rester dans l'amour, hein. Et ici, on a les armes. Les armes, ça peut être quelqu'un d'armé, d'accord? D'accord? Susceptible de violence, attention, hein. Ici, on nous dit de bien rester soudé. Contre ce machin chouette,
hein, d'accord? Et surtout de rester unis contre ces gens malsains. Alors, pour la première semaine d'avril pour la France, s'il vous plaît. Première semaine d'avril pour la France, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un verdict, hein, vous voyez, des décisions, des déclarations. On a l'armée, on a la femme, donc pour la France, hein, certainement. Les choses, c'est clair, ici, il y a la lumière. D'accord? Il faut voir les choses sous un autre angle. Et ici, on a la pie. Donc, ça bavarde beaucoup, d'accord? Ça peut dire aussi qu'on est privé de liberté. Regardez ce que je vous dis. Décision, sentence, déclaration, l'armée, mission, engagement, la force hein, pour la France, les choses qui s'éclairent, et pour ça, peut-être qu'il y en a qui vont être enfermés, hein, voilà, peut-être que nous aussi, peut-être on sera... Pardon, on nous demandera de rester à l'abri. Alors ici, on nous parle de courage. Il faut surmonter les difficultés. Il faut être fort mentalement. Mais vous voyez, on a la carte du soleil, dont le succès, le jugement. Il y en a qui vont avoir des problèmes de justice, hein, d'accord? Voilà. Et ici, on a le champ. Donc encore quelqu'un qui travaille sur un projet, un dossier, une nouvelle loi, hein. Alors, s'il vous plaît, et pour moi ici, c'est le jugement, hein, c'est ça en fait, hein. Positif ou négatif ce projet? Alors, nouvelle initiative, l'Élysée. Oula, donc ça vient encore d'eux peut-être ou contre eux. Alors, s'il vous plaît, première semaine d'avril. On a les oiseaux, donc on va avoir des nouvelles, hein? D'accord? Donc, un projet, un nouveau projet, un nouveau projet. Ils ont des nouvelles initiatives. D'accord? Et on va en entendre parler. Il y a peut-être aussi une nouvelle initiative, une nouvelle donne concernant l'Élysée. Hein. D'accord? Ça peut venir de quelqu'un d'autre. Hein. Ok? De l'armée. Hein. Moi, je vois ça en tout cas. Hein. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Élysée, première semaine d'avril. Alors, on a quoi ici? Les agriculteurs, les forces de l'ordre, la femme âgée. Alors, ici, moi je dis que il y a des jugements qui sont en cours, hein, d'accord, voilà, concernant les personnes à l'Élysée, qu'on va en entendre parler, d'accord, et qui vont récolter, pour moi ici, ce qu'ils ont semé, hein, c'est-à-dire, vous voyez les forces de l'ordre là, eh bien moi je pense que c'est aussi par rapport... aux directives hein, qu'ils ont données aux forces de l'ordre, d'accord? À moins que les forces de l'ordre les lâchent. Alors ici, on a la force, donc il faut résister aux épreuves, hein, il faut donner son point de vue, d'accord? Il faut rester fort de caractère. Et vous voyez, ouais, on a vraiment la justice ici, hein? On a le jugement, on a la justice, d'accord? Moi, je dis qu'ici, l'Élysée va avoir des règlements de compte, des litiges, des démêlés avec la justice. D'accord? Voilà. Il est possible aussi qu'il y a quelqu'un qui quitte l'Élysée. Hein. Et on voit ici qu'on va avoir des nouvelles par rapport à ça. Hein. Peut-être Darmanin, parce que ici, on a la force de l'ordre. Donc peut-être, voilà, hein, c'est lui qui donne les directives aux forces de l'ordre. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les bourgeons, il y a l'éclosion de la vérité. Ah, ben regardez, l'éclosion de la vérité, l'emprisonnement. L'adversaire, donc nos adversaires, c'est qui? Eh ben, c'est pas moi, hein, parce que moi, je pense que je vous aide depuis 3 ans. Voilà. Et vous voyez, ça va être une bonne nouvelle ici. Vous voyez? Voilà, les amis. Hein? Bourgeons, gardez espoir, quelque chose de mieux arrive. Quelque chose de mieux est en cours. L'éclosion, la vérité. Il y a un emprisonnement, voilà. Une condamnation, en tout cas une punition, hein, voilà. Par rapport à un adversaire, donc un adversaire, bah, celui qui donne les ordres aux forces de l'ordre, hein, voilà. Mais en tout cas, pour nous, c'est un coup de chance, d'accord? Et quand on voit ici un jugement, la justice et au milieu l'Élysée, écoutez, hein, pour moi, je ne vais pas vous faire un dessin, les amis, je crois qu'on a compris, hein. D'accord? Voilà. Pour moi, il y a un vieux monsieur qui partira aussi
cette semaine, hein, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on verra bien. Je sais pas qui c'est. On va. Non, c'est pas Trump, c'est pas Poupou. Ah, non, je vois pas ça du tout. Je ne vois pas ça du tout. Est-ce qu'il y a un vieux monsieur qui va partir cette semaine? L'hôpital, vous voyez, problème de santé, hein, voilà. Bon, femme âgée, hein, ça peut être une femme, voilà, ça peut être Bibi, on va dire ça, hein, parce que voilà, on est censé croire que c'est madame, hein, voilà. Nous la payons, hein, d'ailleurs, en tant que première dame. Hein, donc, voilà. Les recherches et la solitude, d'accord? Peut-être qu'elle aussi, elle va être malade. Mais en fait, c'est pour s'éloigner, hein. Alors, on a le courage. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi mes guides me parlent d'un vieux monsieur. Je sais pas. Il va y avoir du changement, une transformation, l'emprisonnement. Bon, écoutez, franchement, voilà, hein, d'ici peu, je ne dis pas que c'est cette semaine, mais en tout cas, il va y avoir des gens qui vont être emprisonnés. Attention, aux photocopies, hein, photocopies, d'accord? Je parle pas de papier, hein, je parle de visage, photocopie. D'accord? Voilà. Certains comprendront, certains ne comprendront pas, certains croiront, certains ne croiront pas. Bah, voilà. Après, moi, vous faites comme vous voulez, hein. C'est pas. Je ne vous oblige pas, je ne vous oblige à rien. Bon, je sens que mon fils est énervé. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais lui, il sait pas jouer. Alors, lui, c'est terrible. Bon, bref. Tiens, j'ai envie de tirer quelques cartes avec mon jeu ici. Mon jeu à moi aussi, hein, voilà. Alors, première semaine d'avril, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? On parle de sexualité. Bon, la séparation, une coupure, un détachement, la joie. Bon, un pédophile, hein, peut-être, hein. Quelqu'un qui est dans la complicité de la sexualité, en tout cas, hein. La maison, s'il vous plaît. L'accusation, quelqu'un qui va être accusé de... Ouais, hein, vous voyez, de pulsion, hein. On a le bouclier, on a le magnétisme. Première semaine d'avril pour la France, s'il vous plaît. La distance, l'éloignement. Ok. S'il vous plaît. Les examens, vous voyez? Mise en examen, hein? Les enfants, ben oui. Puisqu'on parle de pédophile ici, hein, voilà. Alors, c'est quoi le départ? Une démission? Fatalité? Destruction, chute, ruine, accident, perte. Les voyages. Alors, dans ma tête, en fait, moi, je me demandais, c'était qui ce vieux monsieur? Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Concernant ce vieux monsieur, il y a beaucoup de ragots, de commérages concernant de la pédophilie. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui nous dit qu'il est là pour nous soutenir, qui se fait passer pour un protecteur. Quelqu'un qui est assez distant quand même, qu'on ne voit pas tout le temps. D'accord? Quelqu'un qui est assez près des enfants, qui va abandonner, qui va partir, hein, qui va quitter, voilà, la fatalité, les vacances, les déplacements. Ok? La tranquillité, ça va nous libérer en tout cas. Moi, je vous dis, ça va nous libérer. Ça va ramener le calme, la paix. Voilà, vous voyez, patience, blocage et santé. Donc, en fait, on va nous dire qu'il est malade. D'accord? On va nous dire qu'il est malade. Bon, écoutez, j'en sais pas plus. Je ne sais pas qui c'est. Je vais essayer de faire une canalisation pour voir si on veut m'en dire plus. Je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout. Est-ce que je peux recouvrir avec ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur qui aurait des soucis de pédophilie, s'il vous plaît? L'emprise. Il est sous emprise ou on est sous son emprise? Est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce monsieur qui aurait des problèmes de pédophilie? Message, souhait, force et fin. C'est les mêmes cartes qu'on a eues tout à l'heure. Hein. C'est sa fin. Hein, vous le voyez. Hein. Quelqu'un qui paraît fort, en tout cas. Hein, d'accord? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le travail? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport? Monsieur, monsieur. L'abondance pour le travail. Et. S'il vous plaît, vous pouvez me dire. Le désespoir, l'automne et la tristesse. Ça va en désespérer et faire pleurer plus qu'un, hein, d'accord? De cette perte, hein? Encore, alors moi, on me dit, ici, avec la carte du travail, je ne comprends pas trop. Me dit que c'est encore c'est quelqu'un qui se dit travailler encore actuellement. Il y a une transformation, vous voyez? Alors, quelqu'un qui se dit un guide, d'accord, qui a beaucoup de commérages, c'est triangulaire, vous voyez? Les désirs et la femme. Alors là. Bon, en tout cas, il y en a qui vont être chagrinés de cette perte. D'accord? En tout cas, là, c'est la fin. Bon. Ben, on ne peut pas toujours être remplacé toute une vie sans être démasqué, hein, de toute façon, hein, les amis, hein, vous comprenez bien. Hein. Voilà. Les acteurs, ce n'est pas éternel. Hein. D'accord? Il y a des séries, tout ça, qui s'arrêtent au bout d'un moment. Hein, parce que les acteurs ne sont plus là. Hein. Un film ne peut pas durer non plus éternellement. Hein. Ben non, ben non, il faut s'arrêter. Hein. Première semaine avril 2020, fin 2023, s'il vous plaît. On a étranger et on a obéissance. Étranger, obéissance, le combat et la musique. Ouais, toujours le même pipeau, quoi. Hein. Ah, vous allez me dire, ouais, c'est un étranger qui veut me faire obéir. Non, non, c'est pas ça. Les médecins, vous voyez? Écrit, hein, déjà. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Hein. Tout était écrit. Hein. Ouais, bah écoutez, hein. Il faut, en fait, si vous voulez, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il faut se battre. Hein. Il faut rester étranger aux ordres qu'on nous donne. Vous voyez? Tout ça, c'est du pipeau, en fait. Concernant les médecins, ben, c'était écrit. Hein, voilà, c'était écrit. Mais on pourrait aussi sortir des documents concernant les médecins. Et ils vont être, vous voyez, il y en a qui vont être pointés du doigt. Hein. D'accord? Voilà. Bon, écoutez les amis, ben moi j'arrête là pour aujourd'hui, je crois que c'est bien. Hein? Je finis les trois horoscopes qui me restent demain. Il me reste les lions, les capricornes et les verseaux. Je suis désolée, mais il est déjà 23 heures passées, je crois. Et j'ai fait le tirage monde, le tirage France, qui a duré assez longtemps. Et aujourd'hui, j'ai fait les Sagittaires. Le balance, je l'avais oublié de le mettre déjà, mais je vous l'ai mis aujourd'hui. Donc, ça fait que j'ai fait trois vidéos aujourd'hui, d'accord? Je crois que c'est bien, hein, faut pas non plus en faire trop tous les jours, parce que sinon, après, on se mélange les pédales et tout. Puis,
Je ferai ça demain. Hein. Et puis demain, je vous ferai aussi certainement une petite guidance. Voilà, pour la semaine. Hein, voilà, pour savoir ce qu'on va nous dire. Hein. Peut-être comment il faut agir et tout ça, notre comportement, tout ça. On verra. Hein. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle nuit. Si vous regardez ma vidéo demain, je vous souhaite une belle journée. Un beau dimanche. Demain, on est dimanche. Je vous embrasse bien fort, surtout restez positif. Hein. Il ne faut pas céder, il faut bien rester ancré. Et surtout, surtout, s'il vous plaît, les amis, faites-vous confiance, d'accord? On a notre mot à dire dans l'histoire. On a un pouvoir que personne ne peut nous enlever. D'accord? Voilà. Allez, bisous tout le monde.